Alors, what is it to be done? C'est un peu mon leitmotiv. Pompéan Works, c'est la compagnie que j'ai formée pour réunir toutes mes activités après la Tête Moderne en 2012. Et c'est sous-titré We Others and Myself Research Knowledge Systems. Et vous allez comprendre pourquoi très vite, je crois. Alors, que faire? Que faire? What is to be done? En fait, vous savez peut-être déjà que c'est le titre d'un livre un peu manifeste de Lénine. On pourrait passer à la prochaine diapo. Voilà. Le livre de Lénine est à droite. C'était sous-titré Question brûlante de notre mouvement. On sait que ça a été publié en 1902 et que ça a démarré la révolution en Russie à l'époque. C'est inspiré d'un roman, en fait, de Nikolaï Tchernychevski, écrit en 1863, qui avait déjà un profil révolutionnaire. Alors, que faire? C'est la question que je me suis posée chaque fois qu'on m'a confié un nouveau mandat. Cette petite phrase contient absolument tout pour moi. Elle résume en deux mots et un point d'interrogation très important, non seulement la mise en place d'un projet, l'actualisation d'un mandat, mais en rétrospective, elle en résume tout autant l'approche et la manière de faire. Objectifs et processus se fusionnent dans cette démarche. Penser le présent et le futur ensemble, tout en apprenant du passé, tout se conjugue ici dans le seul but de faire en sorte que stratégie, recherche et développement soient constamment en interrelation dans quelque projet que ce soit. J'ai commencé à m'activer dans le milieu de l'art au début des années 70. C'était le début d'une nouvelle ère, la postmodernité. Ici au Québec, nous étions en plein sur la lancée de la Révolution tranquille, mais aussi du balayage international symbolisé par les événements de mai 68. L'époque était à la croissance, à la découverte, à la réinvention d'un monde. Je parle de tout cela aujourd'hui sans nostalgie, parce qu'on le verra plus tard, on se retrouve en ce moment même dans un cas de figure semblable dans l'histoire. Bref, voulant faire un métier qui me permettrait de prendre la température du monde, d'en sonder l'aspect sensible, choisissant la nouvellement fondée UQAM, parce qu'elle me semblait davantage orientée vers des idées fraîches, j'ai fait des études en journalisme, puis en histoire de l'art. Tu vois, je raconte des choses, Anne, que tu n'as pas relevées, mais qui sont importantes dans ce contexte. Donc à l'UQAM, j'ai fait des études en journalisme, puis en histoire de l'art. Je me suis rapidement orientée sur le terrain même de l'action dans mon domaine. À peine sortie de l'université, je me suis impliquée, comme Anne le disait, dans Véhicule Art et je me suis mise à écrire déjà pour Vie des arts et Arts Canada. Véhicule m'a permis d'être rapidement en contact avec les meilleurs artistes montréalais du temps, mais aussi avec des artistes de la scène internationale. On peut changer d'image. J'ai commencé à prendre des initiatives personnelles, l'organisation de concerts comme celui du Philippe Glass Ensemble, qui aura lieu au Musée d'art contemporain à Cité du Havre en 1974, et la fondation de Parachute. Comme le disait Anne, une revue d'art contemporain international en 75. Tout cela mû par le désir d'élargir collectivement nos horizons, de nous ouvrir à d'autres mondes, d'autres façons de faire et d'être. Et puis, le Musée des Beaux-Arts. C'est ainsi que Léo Rossandler, directeur adjoint au Musée des Beaux-Arts de Montréal à l'époque, m'a approché en vue de créer pour ce musée un programme nouveau. Pendant 3 ans, de 76 à 78, j'y œuvrerai à titre de directrice des programmes publics. Le musée avait été fermé pendant 3 ans. On avait décidé d'ajouter une aile à l'arrière du vieux bâtiment datant de 1912.
Le mandat qu'on m'a donné était de faire en sorte que les artistes reviennent au musée et qu'un public élargi y soit convié au-delà du programme des expositions. Aujourd'hui, je dirais que ma tâche était de créer un programme live. J'adore ce mot. Axé sur la vie, axé sur la convivialité et la rencontre. Non seulement la rencontre avec d'autres visiteurs, mais aussi la rencontre avec des manières de voir et de penser autres. C'est sous l'égide du philosophe américain John Dewey que je place cette partie de mon exposé. Avec Charles Peirce, Dewey est un des fondateurs du pragmatisme. Alors, je ne vous expliquerai pas c'est quoi le pragmatisme, mais j'ai deux images qui résument la chose. Voilà. C'est une philosophie, en bref, qui définit l'action comme étant une prise en compte des données du réel. En somme, elle s'oppose à l'idéalisme sur lequel l'Occident a misé pour construire et déployer son savoir. John Dewey aura été l'un des principaux inspirateurs du Black Mountain College aux États-Unis. Celui-ci est reconnu comme étant le lieu d'éclosion d'une pensée artistique novatrice qui influencera le tournant qu'a pris l'avant-garde américaine dans les années 50 et 60, dans les années 60 et 70, sous l'influence de John Cage et de Robert Rauschenberg qui l'ont fréquenté. L'art conceptuel, l'art minimal, la performance, le happening, l'art in situ, donnant lieu au earth ou au land art, la nouvelle musique, la nouvelle danse, on peut reconnaître dans toutes ces formes quelques traces de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pensé au Black Mountain College. Il me semble à propos de rappeler ici que le MBAM a été fondé par des artistes d'une part et d'autre part que ce musée a logé une école d'art qui longtemps fut très influente pour l'art canadien. C'était avant qu'il existe des écoles d'art dans nos universités. Bien sûr, il y avait l'école des beaux-arts à l'époque aussi. Alors, cette école d'art fut donc très influente, ainsi qu'Evan Turner, le directeur qui avait précédé le team que Leo Rosandler, directeur adjoint, faisait avec le directeur David Carter, qui venait du Metropolitan Museum. Il a été spécialement reconnu comme ayant été proche de la communauté artistique montréalaise et de la création. D'ailleurs, c'est une réputation qui va perdurer après ses prochains mandats au Philadelphia Museum, entre autres. Je crois que Leo Rosandler avait à cœur de réactualiser cette proximité tout en développant un programme d'exposition qui aille chercher un public élargi avant l'avènement de l'ère des blockbusters qu'on connaîtra par la suite. En bref, on peut classer les divers aspects du programme réalisé au MBAM pendant ces 3 années de la façon suivante. En ce qui concerne l'accompagnement des expositions, cette partie du programme visait non pas à doubler chacune des expositions d'une version éducative traditionnelle, mais à proposer des activités qui puissent permettre de transformer le sujet de l'exposition en une expérience autre. Et c'est là qu'on retrouve John Dewey. Cet accompagnement visait à développer des savoirs parallèles, expérientiels. Un autre axe poursuivi s'adressait à la création et à l'émulation. Ce programme, bien que développé intuitivement, car il ne s'inspirait d'aucun programme existant, reposait sur certaines prémices bien précises. La disparition des frontières entre les arts, l'accueil de nouvelles formes dans le musée au-delà des formes convenues, soit la peinture, la sculpture. Alors, la performance, le vidéo, le film, le documentaire, la conférence, performance devaient faire leur entrée dans le musée. L'accueil de pans de l'histoire oubliée ou négligée, la délocalisation du savoir, c'est-à-dire agir extramuros, au-delà des murs du musée. On va revenir sur ces points.
Alors, de plus, il s'agissait de favoriser de nouvelles approches, la rigueur, l'excellence, viser le développement d'une éthique des contenus, mettre sur le même plan le local, le national, l'international, accentuer le live, la danse, la musique, le symposium discursif, la vidéo, le film, le documentaire, la performance, tous des arts du temps. Collaborer avec d'autres institutions, universités, musées ou organismes, collectifs d'artistes, petits ensembles musicaux, festivals. Valoriser l'hospitalité, la convivialité, la découverte. Favoriser la transversalité plutôt que l'organisation pyramidale. Travailler sur les intensités comme facteur générateur de savoir, de recherche et de création. Vous allez reconnaître un peu de Jean-François Lyotard là-dessous. Faire du musée un laboratoire de vie, en somme, tant pour les créateurs que pour le public. Alors, maintenant, je vous montre un tableau un peu difficile à lire à l'écran, je crois, mais je vous autorise à faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Alors, c'est une synthèse des événements qui se sont produits dans le cadre des 7 premiers mois seulement de mise en place de ce programme lors de la réouverture du musée, un échantillonnage en somme de ce qui allait suivre. Cela représente un total de 111 événements, dont 18 séries conçues autour d'un enjeu. Je préfère le mot enjeu que le mot thème ou le mot sujet parce que c'est plus dans le zeitgeist, c'est moins formaté comme concept. Alors, d'un enjeu regroupant de 2 à 12 événements chacun. Et je parle d'événements aussi plus que d'activités parce que dans l'événement, il y a vraiment quelque chose de plus qui se passe que dans une activité. C'est quelque chose qui touche le sensible très fort et c'est ce qu'on cherchait à faire. C'est à ce rythme que les activités de notre département ont progressé jusqu'en 1980. Dans la première année, une petite équipe de 4 personnes travaillait à générer ce programme. Moi-même, à titre de directrice, Christiane Charette, que j'ai invitée à venir travailler avec nous comme adjointe, après l'avoir connue dans le cadre d'un concert Steve Reich que j'avais organisé avant de venir au musée, Diane Boucher comme assistante, que nous avons par la suite récupéré de la diapothèque du musée pour en faire notre assistante justement, car elle était déjà là, donc c'était assez facile d'obtenir son transfert. Et cet extraordinaire Saverio, le technicien qui lui aussi était déjà sur les lieux. Je reviens au mot rythme parce que pour moi, le rythme, c'est politique et c'est très important. Vous connaissez peut-être le livre de Pascal Michon qui s'appelle Les rythmes politiques. Je vous le conseille vraiment. Ça explique bien le lien entre ces deux concepts. Le rythme, donc, participe de l'intensité d'une situation et affecte le déroulement et le résultat d'une chose. Il crée une synergie entre les parties et génère des rencontres inusitées, souvent des accidents, mettant en branle un processus d'apprentissage individuel et collectif. Il contribue à faire émerger de la pensée nouvelle, out of the box, comme on dit aujourd'hui. C'était notre envie, notre ambition, notre objectif. Bref, ce programme se nourrissait d'une urgence intellectuelle et artistique dans un monde en mouvement. En rétrospective, on discerne 4 grands axes sur le plan de la forme, soit le live, le film, la conférence et la rencontre. Le live regroupe tant la danse, la musique que la performance-conférence. Nous cherchions, en les montrant, à s'accorder avec les nouvelles sensibilités émergentes dans le monde. Ainsi, la nouvelle musique et la nouvelle danse étaient-elles des formes privilégiées, de même que certaines redécouvertes de l'histoire, comme la musique et la danse baroque, ou la musique et la danse, les danses traditionnelles du monde, la world music, qui était vraiment quelque chose comme le baroque, qu'on était en train
découvrir en Occident à l'époque. Alors, et pour le baroque, de redécouvrir. Il est parfois difficile de classer un événement dans une seule catégorie ou une seule forme. Assez souvent, les événements entrecroisaient plusieurs formes et catégories. Et c'était beaucoup ce que nous recherchions, puisqu'il s'agissait d'apprendre autrement que par les formes usuelles. Le film comprenait tant le long métrage, le documentaire sur l'art, le film expérimental ou la vidéo. Et la vidéo, c'était tout nouveau à l'époque. Les trois dernières formes étaient en plein développement et étaient appelées à connaître un développement important dans le monde de l'art et de la culture, comme on sait. Le monde devenait image en mouvement, ce que le 21e siècle vit allègrement, et nous aussi aujourd'hui. Alors voilà, la conférence, mode pratiquée dans les musées. Déjà depuis un moment, bien entendu, est une forme que nous avons largement utilisée. Il fallait que nos conférenciers soient de haut niveau, pertinents, chercheurs dans leur domaine, passionnés de leur sujet et capables de le communiquer avec générosité. On leur en demandait pas mal. Les conférences s'organisaient parfois en relation avec les expositions montrées, celles-ci étant toujours accompagnées, ceci dit, de programmes live ou filmiques, permettant de saisir un sujet, une problématique à l'aide de dispositifs divers, agissant différemment sur la cognition et le sensible. Le monde discursif, bien que valorisé en soi, se frottait dans nos programmes à d'autres modes perceptifs ou d'organisation de la pensée. Enfin, la rencontre avec les artistes était également privilégiée, habituellement sous forme de workshop, où l'artiste pouvait expliquer sa façon de travailler et sa façon de penser les choses et le monde. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Parmi les conférences en solo, je suis encore dans les conférences, sans lien avec un autre événement, on note celle de Jean Clair sur Léonard de Vinci et Marcel Duchamp, celle du célèbre intellectuel et romancier italien Giorgio Bassani sur la sauvegarde du patrimoine de son pays. En rapport avec les expositions, Robert Welsh est venu présenter Molinari, puis un programme en rapport avec l'exposition L'or des dieux sur l'art aztèque a généré deux conférences de son commissaire Léo Rossender et une autre de Luis Lumbreras du Pérou, en plus d'une série de sept films. Alors qu'une conférence tenue par l'anti-muséologue britannique Kenneth Hudson traitera des enjeux qui touchent la question du musée à l'automne, nous rebondirons quelques mois plus tard avec une série Musée d'hier et aujourd'hui. Ça serait bien de revenir en arrière, peut-être, mais oui, c'est ça. Une série, la série, elle est dans la fiche de gauche. Alors, dans cette série Musée d'hier et aujourd'hui, il y avait entre autres Jean Sutherland Boggs, très grande figure de la muséologie canadienne et américaine, qui, on sait, avait été assez longtemps au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et qui avait vraiment transformé cette institution durant son passage. Alors, cet aspect vraiment auto-réflexif par rapport à l'institution muséale sera une constante importante dans ce programme. On pourra peut-être revenir là-dessus dans les questions. Alors, par la suite, une série de 10 conférences traitera de Montréal et de ses aspects méconnus. On était toujours très, très intéressés à ce qui était méconnu, ce qu'il fallait redécouvrir ou comment on pouvait voir les choses autrement. Alors, celle-ci réunit des personnalités dans le domaine, dont Félix Lambert, dans le domaine des questions urbaines et architecturales, Félix Lambert, Yvan Lamonde, Jean-Claude Marsan, Luc d'Iberville-Moreau et Marie Lavigne. Entre la série sur le musée et celle sur la ville, notre ville, Montréal, on remarque un fort penchant pour l'in situ, soit l'idée de travailler sur le terrain même où l'on se situe, avec ce terrain, pour le redécouvrir et imaginer de nouvelles directions. Nous sommes en plein dans une démarche pragmatiste,
orientation que je citais tout à l'heure, comme guidant mon travail, notre travail au sein du MBRM. Une des caractéristiques notoires de l'ensemble du programme est qu'il suscite de nombreux partenariats avec des organismes ou des institutions à l'extérieur du musée. Que ce soit d'autres musées comme le McCord ou le Musée des beaux-arts du Canada, nos universités, en l'occurrence McGill et Montréal, ou encore l'Institut culturel italien ou le ministère des Affaires étrangères du Québec. Je parle toujours des premiers 7 mois, là. Ce type d'association est allé en augmentant et en diversifiant au fil du temps. Si l'on regarde maintenant la programmation film, la plupart des événements ont lieu dans le cadre de séries organisées autour d'un thème. Cela va de l'avant-garde américaine au documentaire indépendant à la photographie. Ce dernier est accompagné d'une conférence du conservateur de la photographie au Musée des beaux-arts du Canada, qui détenait alors déjà une très importante collection photo et était précurseur en la matière. Certains événements fonctionnaient, je ne l'ai pas nommé, hein, c'était James Borkoman, qui est devenu un conservateur de grand calibre dans son domaine. Alors, certains événements fonctionnaient en solo et tournaient autour d'un film, d'un cinéaste. Ce fut le cas pour le photographe cinéaste américain Robert Frank, le britannique Mike Leggett ou la première canadienne du film Edvard Munch, La danse de la vie, réalisé en Norvège par le cinéaste expérimental Peter Watkins, alors qu'il s'y était exilé suite à des revers encourus avec la BBC et l'industrie du cinéma de son pays. Je reviendrai en arrière côté image. Bon, l'exposition Forum 76, donc voici un des programmes, fut une exposition événement majeur à l'automne 1976. Elle marquait la réouverture du musée. Elle fut l'occasion de mettre sur pied un programme de 4 films expérimentaux, 12 vidéos d'artistes contemporains québécois, de même que 3 concerts de musique nouvelle, dont vous voyez ici le programme. L'art vivant et ses artistes faisaient une entrée fracassante au plus vieux musée montréalais. D'autres aspects du programme live devaient montrer la voie à ce qui allait se développer de façon croissante dans les années à venir. On compte parmi eux 3 moments particulièrement importants. La venue de nul autre que Cecil Taylor, premier d'une série sur le jazz contemporain, et celle de Philip Glass et son ensemble, préfigurant avec la série Musique de Forum 76, un programme qui allait se développer tout aussi fortement. Le concert de Philip Glass a lieu au plateau, inaugurant une délocalisation des événements hors les murs du musée. Démarche qui allait gagner elle aussi en importance dans les années suivantes. La musique classique avait également sa place au musée, alors que l'Orchestre de chambre McGill et la Société des petits concerts étaient invités à jouer à l'Auditorium Maxwell Cummings de façon régulière. La musique baroque qui fait son entrée avec un concert de clavecin de Mathieu Duguay et la Société des petits concerts qui privilégie, elle, la découverte de ce répertoire jusqu'alors négligé. Étant sortie de ses murs avec le concert de Philip Glass, pendant les 7 années suivantes, j'ai fini là un peu de parler de la première séquence de 7 mois. Dans les années suivantes, nous aurons une importante programmation extramuros en collaborant avec le Pavillon Mont-Royal de l'Université de Montréal, le Tritorium du Cégep de Vieux-Montréal, la Salle Polac de McGill, l'Auditorium J.B. Clark de Concordia, les salles de l'UQAM, la Salle polonaise et la Salle ukrainienne, entre autres. Et éventuellement, il y aura des collaborations pour des séries d'événements ailleurs dans la province et même avec Toronto. Cette dimension hors mur contribuait à élargir les possibilités sur le plan de la programmation, étendait le réseau du musée et avait un effet sur l'accroissement de son public et sur sa diversification
sur le plan justement des publics au pluriel. La collaboration avec de nombreux organismes tels que ceux cités plus haut eut les mêmes effets. En 1977, l'auditorium accueille une première, soit une performance des Américains Dick Higgins et Alison Knowles, fort dans la mouvance Fuxus. Son titre n'est pas sans enlier le contenu détonnant avec les collections classiques du MBAM, à savoir The Importance of Caravaggio. Toutes ces formes qui sont apparues dans le cadre de ce début de programmation, correspondant aux mois qui ont suivi l'ouverture du musée, ont été reprises et développées par la suite jusqu'à temps que le MBAM se restructure dans les années 80 et abandonne ce type de programmation pour favoriser une vision plus conventionnelle de l'éducation. Peut-être est-ce dû au fait que vers 83, le musée a essuyé un déficit de 6 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Après le départ de Patrick Darby en 83, celui-ci ayant succédé à Christiane Charette, qui avait pris le relais quand je suis partie en congé de maternité, le MBAM faisant face donc à ce déficit, peu d'événements du genre auront lieu, même si Diane Boucher, qui restera en poste jusqu'en 88, tentera au mieux de continuer. Elle aura été l'instigatrice de la commande, entre autres, faite à la chorégraphe Ginette Lorrain pour son Chagall. Alors, pour vous donner une idée, on passe à la prochaine image, aux prochaines images. Pour vous donner une idée de ce qui s'est fait par la suite, il y a eu un premier festival voué à la performance. Le premier au Canada, qui a eu lieu pendant un week-end de mai en 77. Celui-ci occupe tous les espaces du musée, entre deux plages d'exposition, donc les salles, les passages, le grand escalier d'honneur, même l'ascenseur. On y verra le travail des Québécois et Canadiens, Susie Lake, Tim Clark, John Heward, Max Dean, Lily Yang, Elizabeth Chitty, parmi 15 artistes ou groupes au total. Il s'agit de créations souvent pensées in situ, en fonction du lieu choisi par l'artiste. Le musée, après avoir introduit la nouvelle musique, axe qui sera maintenu dans le cadre de ses programmes publics et dans ce festival, la nouvelle danse, celle-ci deviendra un point fort de la programmation. Tant la nouvelle danse québécoise, canadienne et américaine est présentée du 1er au 19 novembre 1977, se tient un programme intitulé La danse sur scène et sur film. Deux spectacles sont présentés dans le gymnase de la Travancore School for Girls, en haut de la côte, soit Trisha Brown, la grande Trisha Brown de New York, et le Québécois Jean-Pierre Perrault et leur compagnie. Des rencontres d'artistes ont lieu avec Trisha Brown et Yvonne Rainer, aussi une grande New-Yorkaise, et on montre six documentaires sur la nouvelle danse américaine et les traditions ethniques nord-américaines et orientales. Ça se jouait ensemble, ça. Le MBAM, à l'initiative de ce service, présentera d'autres grandes figures de la danse américaine, Lucinda Charles, Meredith Monk, Deborah Hay, entre autres. Edward Locke, Ginette Lorrain, Vicky Tanzi, Jennifer Mascal, Louise Le Cavalier, Margie Gillis y feront leurs premiers pas, de même que Quatre Poteaux, ce groupe de danse contact qui incluait Dina Davida. Celle-ci devient une collaboratrice des programmes publics par la suite. Nos figures historiques liées au refus global, Françoise Sullivan, Françoise Riopel et Jeanne Renaud seront appelées à présenter leur travail également, alors qu'elles sont encore trop peu connues d'un plus large public. Même chose pour le jazz et la musique nouvelle, locale et internationale. Nous accueillerons Michael Snow, Lee Konitz, Anthony Braxton, Terry Riley, Robert Ashley, Alvin Lucier, Steve Lacy,
Evan Parker, Paul Blais, David Rosenboom, Richard Teitelbaum, Vincent Dionne, Jean de Rome, Robert M. Lepage, Robert le Riche et tant d'autres. C'est avec la collaboration de l'artiste Raymond Gervais, activiste dans le domaine de la nouvelle musique et programmateur à Radio-Canada dans ces années-là. C'était tout un réseau hein, qui nourrissait ce programme et ça, c'est très important de comprendre qu'on ne fait jamais rien soi-même. Qu'un réseau, c'est la chose la plus importante avec laquelle on puisse travailler. C'est un outil absolument indispensable et formidable. Alors, une collaboration importante débute en 78 et se poursuit jusqu'en 82, je crois. Il s'agit de celle établie avec l'organisme, le nouvel organisme fondé à ce moment-là, Tradition musicale du monde. Ce sont les compositeurs José Evangelista et John Rea et le musicologue Ramon Pilinski, de même que Mattia Agencio, qui sont au départ de cet organisme. La plupart des concerts sont co-réalisés avec le MBAM, très souvent en lien avec la Asia Arts Society de New York et éventuellement des événements du Neuf. On y accueille des musiciens et danseurs traditionnels du Japon, du Bhoutan, du Cambodge, d'Inde, de Birmanie, d'Espagne, de Corée, de Chine, de Bali, y compris des présentations de Wayan Kulit et de Katakali. Ces concerts ont lieu à l'auditorium du musée ou alors dans divers lieux participants au centre-ville. Plusieurs ateliers rencontres avec les artistes se tiennent au musée. Au tournant des années 80, cette collaboration s'étiole et TMM disparaît autour de 83. Alors, je vous montre cette magnifique tableau de Sonia Delaunay parce que si j'avais à représenter graphiquement la liste que vous avez eue à l'écran tout à l'heure, de tous nos événements, ben ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire qu'une forme rentre dans l'autre, une catégorie rentre dans l'autre, et chacun développe une intensité propre, un poids propre qui joue sur l'ensemble. Alors, peut-être qu'un jour, j'arriverai à vous faire un graphique à partir des données du réel, mais je trouve que déjà Sonia Delaunay avait très bien compris comment la vie du futur allait fonctionner. Voilà. Bon, alors pour conclure, Montréal a reconnu toutes ces années durant l'éclosion d'un grand nombre de rencontres inusitées avec des artistes du monde entier. Surtout, il aura expérimenté ce qu'est un musée-laboratoire, un musée en vie pour la vie. Alors là, je vous montre un peu, tout ce temps-là, je continuais à faire parachute par les soirs. Et finalement, en 2000, j'ai complètement transformé la revue en consacrant les trois premiers numéros, et vous n'en serez pas étonnés, à l'idée de communauté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'en commun aujourd'hui? Pour moi, c'était déjà en 2000 la question qui allait marquer le 21e siècle et la question sur laquelle il fallait devoir travailler. Et au Festival de danse, parallèlement, prochaine image, un des derniers festivals, celui de 2001, déjà s'appelait le Grand Labo. Et on peut penser qu'il fait écho au travail, on faisait écho au travail qu'on avait fait au Musée des Beaux-Arts, en ce sens que ça aussi, c'est une édition qui a représenté un grand changement à l'avènement du 21e siècle dans la façon de faire du festival en donnant plus d'importance aux activités que j'appellerais processuelles. Et
aux activités aussi, comme le titre le dit, de type laboratoire. Alors, j'avais l'intention de vous parler assez longuement aussi de mon passage à la tête moderne, mais on manque de temps. Alors, je vais juste vous en dire un petit mot et on va passer ensuite au travail que j'ai fait à Toronto. Alors, ma nomination à la tête moderne arrive en avril 2010 et c'est vraiment une toute autre histoire, une autre dynamique. Elle se produit suite à un concours international et un processus de recrutement rigoureux pour un nouveau type de poste institué par ce musée. Celui-ci répondait au désir de l'institution de bâtir une nouvelle approche qui puisse correspondre aux besoins du 21e siècle. On en était à construire une nouvelle aile à côté du premier bâtiment qui a accueilli la nouvelle tête dès 2000. Vous voyez le Turbine Hall de l'ancien bâtiment à gauche et puis ce qu'allait être le fondement du nouveau bâtiment, c'est-à-dire les oil tanks à droite. Alors, contrairement le mandat de la tête, contrairement à la tête Britain, la tête moderne, contrairement à la tête Britain située de l'autre côté de la Tamise, devait introduire l'art moderne et contemporain international au londonien, tout en y intégrant l'art britannique et élargir son public non seulement localement, mais internationalement. Là encore, comme au Musée des Beaux-Arts, ce qui s'est mis à jouer dans ce contexte, c'est l'importance de se frotter aux autres, à leurs connaissances, à leur sensibilité, à leurs émotions, à leur façon particulière et personnelle d'aborder des problèmes et de les résoudre. Multiplier les perspectives, changer de forme, partager des expériences sont des postures empreintes de générosité qui finissent par aboutir à un plus, un surplus, j'en parlais tout à l'heure, qui favorise la vie bonne, selon l'expression qu'utilisent tant Hannah Arendt, Giorgio Agamben ou encore Judith Butler, dont un des livres porte ce titre. Alors, cette recherche de la vie bonne dans laquelle on est tous m'a amené éventuellement à passer une dizaine d'années en Europe, comme le disait Anne, et je suis revenue au Canada en 2015 ayant très envie de revenir chez moi et de continuer à y œuvrer, bâtissant sur mes expériences antérieures et sur ce que l'Europe m'avait permis d'apprendre et de développer. C'est à peu près à ce moment-là que sort mon troisième recueil d'essais qui s'appelle The Contemporary, the Common Art in a Globalizing World. Mon travail sur le terrain continuait à se doubler, pour ainsi dire, d'un travail d'écriture. Et ça, cette vibration-là a toujours été très importante dans ma vie pour me permettre de comprendre ce que je faisais, mais aussi mieux les enjeux du monde actuel à travers les pratiques artistiques. Alors là, le hasard a voulu. Que je sois, mais on dit qu'il n'y a pas d'hasard anodin. Alors, le hasard a voulu que je sois approchée pour diriger un nouveau musée d'art contemporain à Toronto. Il s'agissait vraiment d'en jeter les fondements et d'élaborer le projet. Nous partions quasi à zéro. Ce qui allait devenir le MOCA Toronto Canada, donc, était un projet issu d'un centre d'art qui existait dans cette ville sur Queen Street de 2005 à 2015. Sachant que l'organisme devait quitter son lieu, le conseil d'administration avait procédé à des études concernant la faisabilité de transformer le petit MOCA, comme cela s'appelait, en véritable musée. La firme ayant procédé à cette étude recommande donc un lieu qui disposerait de 55 000 pieds carrés.
Alors qu'on avait entamé la recherche d'un tel lieu, un promoteur immobilier se présenta avec une proposition très intéressante. Il s'agissait d'Alfredo Romano, le PDG de Castle Point Numa, un des plus grands promoteurs immobiliers de la ville. Castle Point avait acquis quelques années auparavant un immeuble de 10 étages construit en 1919, l'Otto Building, l'une des premières tours de la ville, classé patrimonial et situé dans le quartier Lower Junction, à l'est du centre-ville de Toronto. La proposition était la suivante. Castle Point allait mettre 5 étages, en plus du sous-sol, à la disposition du musée. Ses architectes, soit Architects Alliance, allaient faire le plan des rénovations selon les besoins transmis par le musée et un bail de 40 ans à un taux intéressant allait être proposé. Le conseil s'est prévalu de cette proposition et se mit à la recherche d'un CEO pour mener le projet à partir de là. Alors, je pense que je vais changer un peu de forme maintenant et je vais reprendre la présentation que j'ai fait le 26 mars 2016, donc, quand, dans une très grande conférence de presse où le maire de Toronto prenait la parole et Alfredo Romano, le promoteur aussi, la présidente du conseil d'administration, évidemment. Alors, j'ai enlevé quelques images pour faire plus court, là, mais on va les défiler et je vais, comme ça, vous expliquer un peu le projet. Alors, j'ai commencé en montrant ce graphique. Alors, nous sommes 7 billions d'humains sur la planète Terre. Il y en a 6 dans l'espace. Il y a 200 personnes dans cette salle. Vous êtes l'un d'eux et je suis l'une d'elles. Et nous allons faire le Museum of Contemporary Art, Toronto, Canada. Alors, cette image, je la prenais comme une image de bon augure. C'est une œuvre de Roman Ondak, l'artiste polonais, Measuring the Universe, une œuvre de 2007, où dans une salle vide de musée, on met des crayons à la disposition des visiteurs et ils peuvent, comme on fait avec les petits-enfants, marquer le mur de leur taille, si vous voulez. Alors, voilà. Donc, à la fin, ça crée une ligne d'horizon constituée, peut-être un jour, des billions d'humains sur Terre. Voilà, alors je vous ai dit que c'était ce building, l'auto-building dont il était question. On allait en occuper donc 5 étages plus le sous-sol aussi. Donc 6 étages en tout. On voit ici le plan du promoteur. Moka se situe, le building patrimonial se situe au milieu, mais éventuellement, il y aura 7 autres buildings semi-résidentiels, semi-commerciaux, qui vont se construire tout autour du musée. De sorte que le musée va se retrouver avec une communauté immédiate autour de lui, de quelques milliers de personnes. Il y a aussi des petites maisons de ville qui allaient se construire adjacentes au lieu. Alors donc, ce qu'on présentait, c'est le nom du plan, c'était The New Museum of Contemporary Art, Museum of the 21st Century, The 2020 Plan, parce qu'on sait que 2020, c'est le meilleur plan. Voilà. C'était un petit clin d'œil, ça ne se voulait pas arrogant du tout. On continue.
Alors, les objectifs généraux étaient d'établir un musée d'art contemporain pour Toronto, développer une institution de pointe au Canada et penser les besoins et les urgences du 21e siècle. Alors, quelle allait être notre tâche, notre mandat en tant que musée du 21e siècle? Alors, bien sûr, porter l'art contemporain, le mettre en valeur, encourager l'entrecroisement dans les arts, reconnaître la diversité, travailler avec la mondialisation, vivre et agir avec convivialité et hospitalité. Travailler à travers le monde d'aujourd'hui et pas sur le monde d'aujourd'hui. Travailler avec les artistes d'aujourd'hui et être le lieu d'un mot compliqué là, mais je vais le dire, perlaboration de la question de la démocratie. Une perlaboration, bon, le mot, les racines latines le disent bien, il s'agit de passer au travers quelque chose, de s'investir dans quelque chose pour aller plus loin. Alors, deux grands concepts allaient, pour ainsi dire, guider notre travail, celui de l'agora et celui du nexus. L'agora, c'est la place publique. Donc, comme on s'adressait en fait dans notre mandat à la sphère publique, et on cherchait également à faire du lieu un lieu de rencontre, un lieu, un réseau, un rhizome même, comme dirait Gilles Deleuze. Donc, la question du nexus. Venait compléter la question de l'agora. Et ça se dit bien en anglais, mais en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ce musée allait être Everyone's Living Room. Alors, il faut penser que tous ces gens autour allaient vivre dans des petits appartements de 600, 700 pieds carrés, comme c'est de plus en plus le cas de tout le monde. Donc, le lieu de rencontre qu'allait être le musée allait devenir l'espace de vie de tout et chacun, pour ainsi dire, mais aussi, évidemment, ça devait être l'espace de vie de tout visiteur. Tout le monde était bienvenu. Continue. Alors donc, vous savez que ces concepts d'agora et de nexus sont repris de notre héritage gréco-romain. On continue. Voilà. Alors, on avait eu l'idée de présenter cette idée de nexus, de Museum of the 21st Century as an agora, dans une série de 8 événements. Et là, on peut penser aux événements qu'on organisait au Musée des Beaux-Arts, pour, comme un peu des laboratoires ou des think tanks pour aller creuser plus loin les objectifs de ce nouveau musée. L'idée d'Agora est venue beaucoup. Bon, vous connaissez un peu ce type d'espace qu'on trouve en Grèce. Prochaine diapo, ou ce type d'espace qu'on trouve à Venise, la Cordillère de l'Arsenal, qui est un grand lieu qui est utilisé aujourd'hui pour montrer de l'art contemporain à chaque fois qu'il y a une biennale à Venise. Et nous, on héritait d'un lieu très en lien avec ces lieux que je viens de vous montrer. Prochaine diapo. Voilà l'intérieur de l'auto-building. Et chaque étage était comme ça. Alors, quoi faire avec ça? Parce que ça ressemble pas au white box, hein, au white cube des musées habituels. Alors, mais en même temps, peut-être que ça se prêtait mieux que le white cube à l'idée de faire un musée du 21e siècle
un lieu qui soit à la fois une agora et qui soit le lieu d'un nexus. Alors, on voit que chaque étage est comme traversé par une rue au milieu. Là, on vous montre le plan du rez-de-chaussée, en fait, où, si vous voyez à gauche, on avait l'intention, mais ça n'a pas été fait, je crois, de construire une sorte d'amphithéâtre à la gréco-romaine avec un espace entre quatre colonnes devant qui pouvait éventuellement accueillir des formes différentes, soit du film, soit de la performance, soit un événement discursif, ou alors des choses spontanées pouvaient s'y passer, comme par exemple, on pouvait imaginer que ce lieu devienne une sorte de Hyde Park où les gens prennent la parole comme ça quand ils ont quelque chose à dire et il y a tout de suite un attroupement. Hyde Park Corner. Je voyais très bien ça arriver parce que ça allait être encouragé et ça allait être bienvenu. Et d'autre part, je voyais aussi dans l'espace, on voit ici en haut qu'il y a tout un espace pour un café, en fait, et de l'autre côté, une librairie. Constamment, ce musée allait être live, donc on pouvait s'imaginer qu'il y aurait de temps à autre des performances à la Tino Segal ou bon, à inventer pour cet espace, ou alors encore qu'on aurait une sorte de philosophe, entre guillemets, genre Socrate en résidence, qui serait là, disponible pour parler avec les visiteurs de toutes sortes de sujets. Et j'avais pensé, comme première invitée, demander à Dwayne Linklater, ce formidable artiste autochtone ontarien, de venir un peu se prêter à l'exercice. On avait commencé à en parler, en fait. Et je pense que c'est très important dans un musée qu'il y ait une présence comme ça libre des artistes et qu'on puisse discuter avec eux facilement, que tout ça, ça soit facilité par l'organisation ou l'attitude ou la pensée même qui gouverne le musée en question. C'est souvent un peu trop figé, à mon avis, toutes ces rencontres, interviews qu'on fait. On voudrait voir quelque chose de plus naturel se produire. Et je pense qu'après cette pandémie, on va en avoir drôlement besoin. Alors, prochaine image. Donc, ce premier étage, c'est vraiment le lieu de l'hospitalité, le lieu de l'accueil, le lieu de la rencontre. Le deuxième et troisième étage... Je vais juste dire un élément avant de vous interrompre. Il nous reste à peu près 7 minutes, juste pour... Alors, on continue, s'il vous plaît. Oui. Alors, voilà. Alors, la structure de la programmation, je vous ai montré un peu. Donc, la structure, par exemple, du programme architectural. Deuxième étage et troisième étage, espace d'exposition, mais aussi espace live où il peut y avoir de la danse, de la performance, de la musique. Quatrième étage, très intéressant. Une espèce de squat où tout le monde pouvait se retrouver avec des tables, des chaises, des ordinateurs, des canapés où les visiteurs sont bienvenus à tout temps. L'idée, c'était que ce musée ouvre de midi à minuit. Et des salles de réunion pour faire des ateliers, des petits séminaires à la suggestion ou non des visiteurs. Avec le soutien, bien entendu, de ce que j'appelais des programmeurs curators, disponibles là dans l'espace, un peu comme le philosophe au rez-de-chaussée, pour développer des projets
dont l'embrayage, pour ainsi dire, venait des conversations ayant lieu dans ce quatrième étage. Au cinquième étage, évidemment, des bureaux, des espaces d'atelier et aussi un grand espace pour des répétitions et les performances ayant besoin d'un espace fermé. Et peut-être des cours de yoga aussi. Voilà. On continue. Alors, la structure de la programmation oscillait entre, pour ainsi dire, la monstration des œuvres, le live, l'image en mouvement et le son, les programmes axés sur le learning. Ça, c'est dommage, je n'ai pas pu vous parler de cette question du learning très, très fouillée et présente au TED Modern et qui est venue révolutionner, pour ainsi dire, notre façon de voir toute la question éducation au musée. La communauté, toujours, l'archive vivante, les livres et les publications et tout ce qui est web. Tout l'univers web devait faire partie de la structure intégrante de ce musée. On continue. Alors, donc, plusieurs sortes de publications, un tabloïd donné librement et gratuit et qui circulait même partout dans la ville, en ligne, une sorte de Wikipédia de l'art contemporain auquel tout le monde pouvait contribuer. Troisièmement, un magazine d'art contemporain, plus genre celui que la TED Modern fait pour le plus grand public, mais aussi un journal ici d'art contemporain un peu plus rappelant parachute, disons, qui s'appellerait « The Idea of North ». Et ça, je rêve toujours de le faire. Voilà! On continue. Voilà. Et puis, je vous ai parlé du philosophe en présence. Alors, évidemment, ici, il y avait un petit clin d'œil à Che, au Che. Voilà. Donc, pour conclure, je vous laisse sur deux citations. L'art joue en effet un rôle très important dans les changements sociaux. Il ne le fait jamais directement, mais toujours de façon indirecte. Il développe la conscience, l'imagination, la sensibilité au-delà et à l'encontre des formes établies. Je ne crois pas que l'art puisse prendre une part active à quelque action politique que ce soit, qui vise à apporter dans la société un changement radical. Et je crois que la fonction essentiellement critique de l'art transcende tous les mouvements politiques. Je vois l'artiste comme un créateur d'images, de besoins et d'impulsions qui révèle les profondeurs de la répression sociale et individuelle et la possibilité d'une société meilleure pour l'avenir. Alors, c'est une citation d'Herbert Marcuse. Et pour finir vraiment, je vous laisse sur « Je dormais ». Et je rêvais que la vie n'est que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service. Je servis et je compris que le service est joie. Et ça, c'est de Rabindranath Tagore. Merci à tous.